Hello, bonjour YouTube, comment nous y est? Je dis à me venir en petit vidéo. Tout est simple, il va pas prendre le temps. C'est un macaroni avec sausage, m'a fait jeudi. On va utiliser macaroni ça. Sausage, on va utiliser c'est Italian sausage ça. Ça va mettre là, on va mettre aussi un piment vert avec rouge. Un petit oignon, un petit créole seasoning avec ça, poivre, mettez sel là-dedans, of course, vous mettez sel avec un petit persil, avec un petit cheese, parmesan cheese, ça c'est option si vous voulez mettre. On y a là, l'eau en bouillie pour mal mettre macaroni, hein. Sausage. On commence à couper sausage, mais on le couper. Ça me fait avec sausage, ça, sausage, ça, un petit jambon. On fait un petit bouillir avant pour le cadu, pour me couper en bout. On y a la glou à bouillir pour pour macaroni. Pour mettre macaroni. Ok, on y a de l'eau. Ni a pendant macaroni a bouilli on va le faire en préparer sauce pour macaroni. OK. OK mais en sauce là après qu'on y a m'a coupé le petit couleur et puis tu vas mettre pas de tomate pour faire sauce. OK mais ça coupe pas de tomate. Dans le temps que pas de bien de nous, je vais mettre une sauce là-dedans. Je vais mettre une viande. Et puis, je vais mettre un petit verre. Donc, on va mettre un petit peu de temps. Et puis, on va mettre j'ai pas de tomate là cuite on si descend pour pas grosse. OK mais pasta qui a cuite et puis me dire dis nous bon checker si le fait là tout bon d'oublier de nous toujours mettre un petit huile dans les m'a fait spaghetti avec pasta mais ton petit huile tout petit dans l'eau hein pour pasta ou pas coller spaghetti en tomate macaroni en pas collé ensemble. OK. On y a la tomate la fini bien cuit. Du coup, je vais ajouter la tomate la bien cuit. On va faire un petit bleu de côté. On compte toujours utiliser même bleu macaroni. Pareil pour les aides. On fait sur ça. On va faire sur ça en fait. Je crois que ça va plaire le beurre. On va donner le bien pour le faire. Parce que moi, j'ai fait ça pour moi. Voilà. On va mettre un peu bien. On va mettre ça. Oh, la bonne. Okay.
de temps en temps goûter pour les gens s'élever. C'est le bon de ça. On va mettre un petit beurre. On fait marrer un petit persil de là-dedans. Piment. Je vais te laver, tout ça, je vais te laver, lâcher. On a mis tes oignons, toujours mis tes oignons en dernière minute parce que je n'ai pas les oignons encore cuits. On va mettre un petit sage au petit sauce tomate. Et là, ça c'est sauce pour spaghetti. Ok, mais ça sent. Je vais mettre tout le balai pour vous arriver. Pour voir comment en lier, comment sel, comment tout le balai. On y a l'air là. On va mettre les spaghettis. On va partir ça. C'est parce que dernier parti, dernier parti. Hein? Pour qu'on descende le volume du feu. On va toujours goûter. On va mettre un petit poivre encore, tout petit là-dedans. C'est vraiment bon. Ça, c'est comme ça qu'on fait. On va faire une avec sausage. On va faire la viande, moulin. Faire comme ça, c'est parce que même j'en tape un spaghetti. Ok, on va le goûter parce que on va pas en tout pour pas appeler le trop cuit. Ok, mais un macaroni, hein? So, c'est comme ça que je fais macaroni. Chacun peut faire la façon de mettre son plat. Maintenant, de nous pas oublier abonner. Bon, mon like, s'il vous plaît. Partagez vidéo, s'il vous plaît. Merci. Je vous rejoins encore pour une autre vidéo. Merci. Pas oublier d'abonner.